la Côte d'Ivoire, bonjour, bonjour le Mali, bonjour le Burkina, bonjour la Guinée, bonjour le Gabon, bonjour à vous, chère population de Dimbokro. Eh oui, jour J-4, nous sommes à 4 jours de ce grand événement organisé par la grande chaîne des Bénins, le marathon de prière. 4 jours et nous serons à Dimbokro, c'est la 3e édition. Et je l'ai dit tantôt, hein, chose promise, chose due. Je l'ai dit, à partir du lundi, toute cette semaine sera consacrée au grand marathon de prière, en tout cas, concernant Matin d'Afrique. Hein, c'est pourquoi vous me voyez en tout cas ce matin très très sapé en tricot marathon de prière. Et quand on parle de marathon de prière, vous le savez déjà, hein, pour aller à un marathon, tous les sportifs le savent déjà, il faut se préparer. Donc il y a une mise en jambe, c'est comme ça qu'on appelle, hein, mise en jambe pour le marathon de prière. Donc on va commencer la mise en jambe, hein, depuis lundi, hein, demain mardi, mercredi, jeudi et vendredi, nous serons du côté de Dimbokro pour le grand marathon de prière. Allez, c'est parti, mise en jambe. Allez, faut faire du sport chaque matin. Voilà, voilà. On va mouiller le maillot comme Jésus l'a fait. Waouh, c'est difficile hein, quand même. Mais bon, pour être marathonnier, il faut se préparer. Et oui, se préparer dans la prière, c'est ce que nous espérons, car nous partons pour la délivrance de la ville de Dimbokro. C'est pourquoi toutes les autorités de la ville de Dimbokro ont donné leur accord, hein, et apprécient le fait que Beni TV vienne à Dimbokro afin d'organiser cette grande prière à l'endroit de la dite ville. Donc au cours du marathon de prière, la 3e édition bien sûr, hein, il y aura hein, beaucoup d'hommes de Dieu qui auront à intervenir, mais aussi beaucoup de chantres pour vos populations de Dimbokro. Oui, vous l'avez entendu, beaucoup de chantres seront du côté de Dimbokro, donc on va prier, mais aussi on va louer le Seigneur pour la ville de Dimbokro et pour sa délivrance. C'est pourquoi ce matin, je voudrais démarrer cette émission en louange, car je crois que le Seigneur fera quelque chose d'exceptionnel ce vendredi du côté de Dimbokro. Il délivrera la ville de Dimbokro, il restaurera ce qu'il y a à restaurer et les vies seront changées. Nous allons y aller avec un groupe qui sera également de la partie à Dimbokro, hein, c'est le groupe Jéruel. Ils seront là, ils vous feront danser et puis nous allons ensemble dire merci au Seigneur car nous aurons relevé le défi du côté de Dimbokro. C'est parti avec le groupe Jériel. Et moi aussi, je serai en jambes avec le groupe Jériel. Levez la main, tout le monde, levez la main. Jériel. Yes, I. Fondé sur Dieu. Il le fera, Jésus le fera. Il le fera, hey, yeah, il le fera. Ce qu'il a dit, toute ta vie s'accomplira. Ce qu'il t'a promis, se réalisera. Oh yeah, yeah. Il n'est plus que l'homme, il n'est plus que l'homme pour mentir. Sa bouche dit, sa main l'accomplit toujours. Il a le même prière aujourd'hui, demain, éternellement. Il n'a pas changé, il reste toujours le même. Sa parole est oui et amen. Elle retourne point sa vie sans avoir accompli son effet. Mais si la prophétie date, attends là, et s'accomplira. Yeah. Il le fera, Jésus le fera. Il le fera, et il est pour toi, il le fera. Ce qu'il a dit, tu t'en dis, il s'accomplira. Ce qu'il t'a promis, se réalisera. Eric Sipi, la rangère au Saint-Edor. Ça a 90 ans enfanté. Il est le Dieu qui va enfanter la stérile. Pour ton enfant, Jésus le fera. La femme qui perdait le sang depuis 12 ans, elle a été guérie, guérie instantanément. Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit son nom. Pour ta guérison, Jésus le fera. Bartimée a reçu la vue. Il est le Dieu de miracle, rien n'est impossible. Pour ton mariage, ton travail, ton voyage, il le fera. Yeah, yeah. Tu le feras, papa Zadier, pour toi il le fera. Il faut y croire, garder.
soeur. Alléluia. Il faut y croire, garder la foi et tu verras le heureux. Landro, chante les louanges du Seigneur avec ta guitare. Est-ce que ça mange? Papa Franky Bernard. Est-ce que ça mange? Mon Jésus le puissant. Est-ce que ça mange? Mon Jésus le puissant. Est-ce que ça mange? Ça mange pas. Ça mange pas. Ça mange pas. Il a vaincu les prophètes des Baals. Il a vaincu le grand pharaon. La marche sur l'eau s'en va, oh, oh, oh. Et la terre c'est polia. La main cachée c'est lui. Il a vendu la mer rouge en deux. Ça m'en passe, yeah. Ça m'en passe, ça m'en passe. Ça m'en passe. Ça m'en passe. Eh oui, ça ment pas, notre Dieu ne ment jamais et ce qu'il a dit sur ta vie se réalisera, ce qu'il a dit sur ta destinée s'accomplira. Terre de Dambokro, toujours dans le cadre du marathon de prière, hein, ce matin nous allons consacrer hein, cette première édition de Matin d'Afrique hein, au grand marathon de prière, je l'ai dit tantôt. Donc le groupe Jériel sera également à Dambokro pour célébrer le nom du Seigneur et puis nous aurons encore d'autres chantres hein, comme... Emi Tiapo, nous aurons d'autres chantres comme la chanteuse Esther Logbo, en tout cas toute cette semaine-là. Vous aurez l'opportunité de profiter hein, de cet espace-là, marathon de prière, et vous allez voir un peu ce qu'il va se dérouler là-bas à Dambokro. Donc on va y aller hein, avec, bien sûr, hein, quelques éléments vidéo. Voilà, on va y aller avec deux ou trois éléments vidéo concernant le marathon de prière. Je l'ai dit tantôt, les autorités de la ville de Dambokro sont entièrement d'accord avec l'avenue de la grande chaîne des bénis là-bas à Dambokro, et ça donne ceci. Il y a encore de l'espoir. Jésus-Christ est encore assis sur le trône. Je voudrais profiter de ce moment pour m'adresser à vous. Vous, responsable de la chaîne Béni TV, d'abord, pour vous dire merci. Merci pour avoir pensé à notre commune, à notre région, la région de Tunisie, la commune de Dambokro. Vous nous rendez enfin visite. Nous avons suivi vos parcours. Vous avez toujours fait de bonnes choses pour que les prières reviennent, rejaillissent abondamment sur Dambokro. Vous l'avez fait ailleurs et Dambokro va en faire en bénéficier. Rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. À ma qualité de premier magistrat, je souhaite que sous onction de Dieu, le jour où vous allez vous produire dans la capitale de notre région, qui est Dambokro, que tout se passe bien. Qu'il y ait une affluence qui ne sera jamais vue ailleurs, qu'il y ait du beau monde. Et méditons que c'est un jour de prière, je peux dire œcuménique, que ce soit le musulman, le chrétien catholique, ou j'en passe, les protestants et autres, que ceux qui peuvent venir viennent voir. C'est tellement que les miracles vont venir abondamment pour que notre Dambokro se développe. Merci à Bénité. Président de la jeunesse communale de Dambokro, coordonnateur de la région du Zi au niveau de la FENUGECI et la Fédération nationale des unions de jeunesse de Côte d'Ivoire. Je dis merci à l'équipe de Béni TV qui a bien voulu choisir notre localité pour abriter le grand marathon de prière qui aura lieu le 15 décembre ici au foyer des jeunes de Dambokro. J'invite par ailleurs
toute la jeunesse de la région du Nzi et ceux de Dimokoro à prendre une part très effective à l'organisation du marathon de prière qui aura lieu ici le 15 décembre. En tant que président des jeunes, il faut dire que quand ça ne va pas, il faut donner sa vie à Dieu. Et Dieu merci, Béni TV arrive pour le marathon de prière. Jeunes de Dimokoro, sortons pour accueillir Béni TV. Au ciel pour l'année 2018 à ce spécial marathon de prière le vendredi 15 décembre à l'esplanade du foyer des jeunes de Dimokoro. Viens ouvrir ton ciel pour l'année 2018. Infoline 58 56 60 40. Le marathon de prière, un événement divin à ne rater sous aucun prétexte. Voilà, retour sur notre plateau. Et puis, bien entendu, vous l'avez vu en image, hein, nous serons du côté de Dimokoro pour le grand marathon de prière. Et nous allons maintenant y aller avec quelques invités concernant la direction commerciale et marketing. Espace annonce, c'est maintenant. Nos invités de la direction commerciale et marketing sont installés et j'ai sur mon plateau le révérend pasteur Emmanuel Comon et l'apôtre Zogbo Seri Jean-Baptiste qui est installé et bien entendu pour différents buts. Hein, le révérend pasteur Comon est là pour nous parler de formation, l'Institut supérieur de la formation continue. Pasteur, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Apôtre Zogbo Seri Jean-Baptiste, bonjour. Église évangélique La Montagne des Oliviers, vous avez le micro en main. Oui, effectivement, encore ce matin, nous sommes pleinement dans la semaine de l'événement. C'est pourquoi nous sommes là pour inviter toute la population ivoirienne à converger vers le terrain de l'église baptiste œuvre et mission. Mmh. Parce que nous sommes en fin d'année. Vous savez, en fin d'année, il y a un bilan qu'il faut faire. L'ennemi veut réussir son bilan et Dieu aussi veut réussir son bilan. Raison pour laquelle nous vous invitons, parce que Dieu a mandaté deux grands hommes de Dieu, le prophète Frank Mahi et l'apôtre Tiji Kamba, pour apporter une restauration, une délivrance. Un mandat divin a été donné à ces personnes pour que cette fin d'année, la tristesse, le malheur s'éloigne de ta famille. Raison pour laquelle je veux t'inviter encore à converger au terrain de l'église baptiste et œuvre et mission les 15, 16 et 17 décembre de 16h à 22h. Oui, viens, toi qui as un souci, toi qui as un problème, Dieu peut encore parler sur ta vie et Dieu peut changer ton histoire. Le thème, c'est « Enfin ma saison ». Enfin, cette fin d'année sera meilleure pour toi. Ce que tu n'as pas pu voir au début de l'année, tu peux le voir en fin d'année, car Dieu choisit toujours un jour pour apporter une bénédiction à ses enfants. Et cette date, retiens-la, c'est le jour de ta bénédiction, c'est le jour de ta restauration, c'est le jour de ton témoignage, c'est le jour de ton miracle. Une seule chose à faire, prends une décision et va à ce programme. Tu sortiras de ce lieu béni au nom de Jésus. Amen. Béni au nom de Jésus. Et ça fait 3 semaines que vous avez, en tout cas, communiqué sur ce grand événement-là. Et enfin, nous sommes dans la grande semaine, vous l'avez dit, hein, apôtre Zogbo Seri Jean-Baptiste. Hein, enfin, ma saison, c'est arrivé. Hein, c'est le 15 déjà. Le 15, c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche. Hein, ça sera l'apothéose, hein, vous l'avez dit. Et tout le monde doit se déplacer du côté du terrain de l'église baptiste à œuvre et mission pour bénéficier, en tout cas, de la grâce de Dieu et de tout ce qui va se passer avec le prophète Frank Mahi, qui est le leader fondateur de l'église évangélique La Montagne des Oliviers. Alors nous, nous tenons à, en tout cas, vous dire merci infiniment pour votre confiance à la chaîne des bénis, pour en tout cas tout ce que vous avez eu à faire ici même concernant les sports et concernant tout le reste de la communication. Vous avez choisi la bonne part. Nous allons y aller avec les contacts. Pour moi, les contacts, c'est le 68 12 55 05 89 37 58 62. N'oublie pas ce programme, c'est pour apporter une bénédiction dans ta vie. Amen. Apôtre Zogbo Seri Jean-Baptiste, les contacts 68 12 55 05 00 225 89 37 58 62. Appelez pour plus d'informations. Je rappelle que le programme, c'est pour ce vendredi. Docteur Emmanuel Comon, Institut supérieur de la formation continue. La formation, c'est le samedi 16. Oui, la formation, c'est le samedi 16. Je voudrais saluer tous les auditeurs qui nous suivent. Quand je dis auditeurs, c'est ceux qui suivent la formation. Mmh. Et les téléspectateurs, c'est ceux qui suivent la télé et prennent les formations. Je voudrais leur dire, le samedi 16 décembre, nous aurons une formation. Je voudrais aussi informer tous ceux qui nous suivent que la rentrée 2018, parce que chaque 3 mois, nous avons une série de formations.
Donc la rentrée 2018 a déjà commencé pour les inscriptions. Et aussi leur dit que nous aurons ce samedi 16 là, une formation, nous parlerons du développement personnel et nous parlerons aussi du coaching. Et ce sont les deux thèmes qui vont ensemble. Quand on parle de développement personnel, on a des talents en nous et on ne sait pas comment les développer. Nous, nous sommes des coachs, nous pouvons vous amener à être rassurant, c'est-à-dire vous appliquer le Marc Touring, c'est-à-dire avoir, vous activer, vous encourager, vous motiver à devenir ce que vous voulez devenir. Donc c'est important, quand on parle de coaching, un entraîneur, fait comme ça, passe ici, fait comme ça, c'est comme ça. Aujourd'hui, si bon nombre de personnes se plaignent dans leur activité, c'est parce qu'ils n'ont pas eu de coach ou bien de bon coach pour les aider à atteindre leur objectif. Aujourd'hui, nous voulons amener tout un chacun, même étant chrétien, serviteur de Dieu, et aussi avoir ses affaires personnelles et avoir un regardant comment est-ce que ça doit se faire et travailler aussi et faire l'œuvre de Dieu sans problème, comme nous le faisons. Donc nous, nous sommes comme pour l'apôtre Paul qui construit des tentes, mais en dehors, il sait aussi prêcher l'évangile et il fait l'évangélisation. C'est ce que nous voulons amener, que de laisser les gens rester comme ça, ne rien faire et compter sur les gens. Voilà notre objectif. Donc nous voulons rayer cela. Donc je voudrais dire, c'est à Coco de Saint-Jean, au CIRES, nous vous attendons. Et ce type de formation que nous donnons peut vous faire travailler dans la vie active, dans le monde séculier. Il n'y a même pas de problème à cela. Et aussi, il y a de bonnes nouvelles. J'ai été en Israël, j'ai eu des partenaires et aussi ceux qui voudraient aller aussi se faire former de l'autre côté. J'ai une opportunité pour vous. Allez, merci beaucoup, hein, docteur Emmanuel Coumand, d'être passé sur ce plateau. Et puis, les contacts à prison. Les contacts, c'est le 59 55 06 69 02 11 33 92 ISFC. Le monde de la connaissance. C'est nous. Eh oui, c'est nous. Merci, docteur Coumand. Merci beaucoup, apôtre. Et puis, passez une agréable journée à vous deux. Merci d'être venus sur notre plateau en ce lundi. Bonjour, téléspectateurs de la chaîne La Plus Bénie. C'est tout un plaisir pour nous d'être présents dans vos locaux en ce matin pour vous annoncer ce grand événement à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ qui va se tenir du 13 au 16 décembre 2017 au stade de la BAE. Je suis l'évangéliste Jean-Paul Kouadio, serviteur de Dieu au ministère Le Feu de l'Évangile. Il faut dire que conduit par la vision de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons organiser une grande croisade d'évangélisation et de réveil spirituel au stade de la BAE. Je vais dire à quelqu'un qui m'entend en ce matin, que c'est le rendez-vous à ne point manquer. Nous tirons allègrement vers la fin de l'année. Et bientôt, ça sera la Noël. Un enfant voudra recevoir un cadeau de son père. Une femme voudra recevoir un présent de la part de son mari. Mais au-delà de toutes ces choses, le plus gros cadeau que Christ puisse nous accorder, que Dieu puisse nous accorder, c'est cette croisade d'évangélisation qu'organise le ministère Le Feu de l'Évangile avec à sa tête le révérend prophète Paul Israël. Je vais parler à quelqu'un, je vais parler à une femme. Certainement que tu te sens culpabilisé parce que tu es passé par un certain nombre de vicissitudes. Tu as vu ta vie basculer dans le péché. Tu as vu, je vais parler à quelqu'un qui certainement a eu à pactiser avec le diable. Et aujourd'hui, ce pacte en train de réclamer ta vie. Je vais parler à une femme qui aujourd'hui se retrouve en train de vivre dans la prostitution. Un homme qui tellement acculé par les problèmes se retrouve dans l'ivrognerie, se retrouve dans la drogue. Je vais parler à quelqu'un peut-être qui a du sang sur la main. Tu te demandes, est-ce qu'il est possible pour moi de devenir enfant de Dieu? Est-ce qu'avec toutes ces choses que j'ai pu faire, Dieu peut me pardonner? Je vais dire qu'en venant à cette croisade, tu bénéficieras certainement de la grâce, de la miséricorde de Christ. Un seul sacrifice, un seul effort à faire. Te déplacer, venir à cette croisade qui se tiendra du 13 au 16 décembre 2017 au stade de la BAE. Une seule heure, ça sera de 15h jusqu'à minuit. Un seul orateur, c'est le révérend prophète Paul Israël, qui est le père fondateur du ministère Le Feu de l'Évangile. Je vais dire à quelqu'un qu'au travers de ces différents croisades que nous avons eu l'habitude d'organiser, des paralytiques ont marché, des sourds ont entendu, des muets ont parlé, et des gens souffrant de maladies dites incurables ont été rétablis. Pour avoir confirmation de ces choses, vous pouvez partir sur la page Facebook du révérend prophète Paul Israël en tapant prophète Paul Israël. Et vous allez voir que ces choses que nous sommes en train de dire se sont effectivement réalisées. La Bible nous dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce Jésus-là est venu afin de te libérer de ton fardeau. Tu es femme, tu cours après l'enfantement, Dieu est capable de le faire. Tu es un homme, tu as dépensé dans le traitement de ce mal, tu vois qu'il n'y a pas gain de cause. Dieu est capable de le faire. Prends une seule date, du 13 au 16 décembre, au stade de la BAE.
nos contacts pour nous joindre, vous pouvez appeler à ce contact au 00 225 77 29 76 63, au 00 225 58 71 86 68, au 00 49 04 28 16. Que le Seigneur nous bénisse. Rendez-vous au stade de la BAE du 13 au 16 décembre. Nous allons glorifier, nous allons magnifier Dieu et Dieu nous visitera certainement. La première chaîne panafricaine chrétienne, Penny TV organise l'événement de fin d'année dénommé Spécial Nuit de Marathon de Prière. Spécial Nuit de Marathon de Prière. Toi qui es en attente d'un miracle, d'une guérison, d'une délivrance, d'un déblocage, d'un témoignage, d'un voyage, d'un mariage, d'une orientation divine, d'une transformation de situation et de vie. Ne manque sous aucun prétexte. Ce spécial marathon de prière à l'esplanade du foyer des jeunes de Dembokro. Vendredi 15 décembre de 18h à l'aube. Viens expérimenter la puissance de Dieu et Jésus-Christ réécrira ton histoire. Marathon de prière. Avec la participation de plusieurs hommes de Dieu et chantres d'Orient. Viens ouvrir ton ciel pour l'année 2018 à ce spécial marathon de prière. Le vendredi 15 décembre à l'esplanade du foyer des jeunes de Dembokro. Viens ouvrir ton ciel pour l'année 2018. Infoline 58 56 60 40 09 88 68 00. Le marathon de prière, un événement divin à ne rater sous aucun prétexte. L'ennemi t'a dit que tu es né pour wesh. Ah ah! Écoute cette chanson. Ah ah! Sera ton quotidien. Ah ah! Mais comme David, prends ton courage à main. Prends ton javelot et prends ton maillot. Le maillot! Prends ton courage à main. Yeah! hey! On va mouiller le maillot. On va mouiller le maillot là. On va mouiller le maillot. On va mouiller le maillot là. Allez! Oh! On va mouiller le maillot. Le 15 décembre, à Dembokro, ça va chauffer. Mouillons le maillot. Je t'évoque, oh Dieu. Yes. C'est ce qui va se passer à Dembokro. Le 15. Le 15. Toute la population est invitée. Du côté de Dembokro. Plusieurs hommes de Dieu, plusieurs chants de l'Éternel. La troisième édition du grand marathon de prière. Vendredi, on arrive là-bas. On va prier Mayola. L'émission est terminée, hein. Ça, c'est juste un bonus pour vous. Et vous rappelez une seule date. Le 15, 18h, jusqu'à l'aube, on va prier. On va prier. On va prier. 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 Jusqu'à mouiller le maillot. Hey! Allez, je vous laisse en compagnie avec un extrait de ce qui s'est passé du côté de Bangerville. C'était l'année dernière déjà. Nous étions à Bangerville, c'était la deuxième édition. Ça a été un véritable succès à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Hein. C'était l'année dernière, mais cette année, je vous conjure, cette année, population des Dembokro, ne manquez pas cet événement. Ça sera phénoménal à la gloire de Jésus. Je serai là mercredi par la grâce de Dieu. Je vous laisse en compagnie
d'Adrien Nao demain. Et moi, je reviens mercredi. On va poursuivre hein, jusqu'à vendredi où nous serons du côté de Dimbokro. Portez-vous bien. Merci d'être resté connecté à la meilleure des chaînes panafricaines, à Bénin TV, de Blessing Channel. À mercredi! Bye bye! Ciao! Quelque chose va se passer.